là qui s'est encore rapproché. Il n'est plus qu'à 3 dixièmes, il était à 6 dixièmes il y a 2 tours. Et ça revient hein, pour Hamlin. Allez, plus que 2 tours, 2 tours. Et certains sont dans leur fauteuil en train de se dire « Mais est-ce que j'ai le bon pronostic sur la page fan club de Pathéphile ?» Allez, plus que 2 tours pour Kevin Harvick pour retrouver le chemin de la victoire. Bon, Denis Hamlin qui est parti de loin, qui est parti de loin, qui a fait une super remontée. Regardez ici Austin Dillon qui s'est mis à l'extérieur. Oh, il remonte. Oh, le dernier tour va être exceptionnel, Romain. Il revient, Denis Hamlin. Plus qu'un tour pour Kevin Harvick. Oh, ça doit pas être simple. Il a plus le pousse. De. Mais oui, c'est le bump. Ça y est, c'est le bump pour Hamlin. Et c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose dans ce dernier tour. Pour l'instant, il a encore l'avantage, Kevin Harvick. Bah, il va lui en remettre une. Non, bah, c'est clair. Ça, c'est clair, mais cette fois-ci. Il va croiser à la sortie. Regardez, il va redescendre. Ah, non, il le bloc. Il prend bien l'intérieur. Ah, métier, oh, quel métier pour Kevin Harvick qui envoie Denny Hamlin dans les roses. Et c'est la victoire pour Harvick. Superbe arrivée, superbe finish. Et quel pari de Rodney Childers, quel pari d'avoir permis à Kevin Harvick de rester en piste. Eh bien, on n'était pas certain de cette stratégie, mais alors quelle finale, Romain. Ouais, c'était vraiment très très beau. On voit qu'ils ont beaucoup de métiers l'un et l'autre. Hein. On voit Harvick, il a défendu sa place superbement bien. Il sait se placer quand il s'est mis à l'intérieur derrière. Il est resté corde tout le dernier virage. Et ça a été payant. Il sait qu'il allait se faire recroiser. Et voilà, c'est ça. Il a pas hésité non plus à aller. Parce que, de toute façon, il s'est fait pousser hein, juste avant. Donc, il savait bien que Denny Hamlin allait jouer musclé.